Donc aujourd'hui, on va se promener dans Antique, qui est mon quartier. Dans le fond, je suis née ici, j'habite ici. Puis c'est pas un quartier auquel on pense quand on pense à comme faire du street. Mais pour vrai, il y a quand même des spots nice, puis je vais vous montrer ça aujourd'hui. J'ai quand même des objectifs. Tu sais, il y a certains spots, tu sais, comme que je passe vraiment souvent, puis j'ai jamais arrêté pour skater. Comme il y a un petit genre de petit rail au Collège Antique, il y a un 5 marches à une école secondaire qui est près d'où j'allais au secondaire, dans le fond. Je suis allée chercher vraiment des spots que j'ai jamais skaté, mais que je vois depuis 28 ans, dans le fond. On est au P45, dans le fond. Je suis venue me réchauffer ici parce que c'est comme le fun. Il y a des petites transitions, des trucs pour se préparer comme à aller skater plus street. Fait que c'est comme parfait pour venir ici pour commencer, je pense. C'est là que ça se passe. 2024 à Paris, c'est le skate curling. Ah, c'est chaud. Bon, ben là, on a fini de se warmer up. Puis on va aller, dans le fond, il y a un bank juste l'autre bord du projet 45. Fait qu'on va aller skater ça un petit peu. Là, dans le fond, on vient de traverser le stationnement. On est de l'autre côté du projet 45, un peu plus loin. Fait que dans le fond, ici, il y a un long, long bang qui part comme de là-bas, qui va jusque-là. Puis c'est juste vraiment dur à skater parce qu'il y a comme des grosses cracks. Il faut vraiment que tu fasses tes tricks comme entre les cracks. C'est la difficulté du spot. Ce qui est insane, c'est que Charles Deschamps, il a déjà popé par-dessus. Dans le fond, par-dessus le rail, dans le bang. Puis, ça a été un cover de SBC, je pense. C'était fou. Oh, mais déjà de popper par-dessus le rail, c'est insane. Puis le lander dans le gros crack. Non, ça n'a pas de bon sens. Je sais que ça m'arrive ici. Là, on est à l'église de Dieu de la prophétie. C'est sur la rue Fleury. On va avoir un peu de temps pour skater le kicker. C'est un nouveau spot, fait que je sais pas du tout de quoi ça va avoir l'air, mais on va essayer ça. Another one. Fait que là, ça va au parc Saint-André à Pau. Le petit deux marches. Fait qu'ici, on est au parc Saint-André à Pau. Quand j'étais jeune, j'appelais ça le Red Moon Rail. Dans le fond, c'est un flat bar en C. Puis que tu peux skater des deux côtés, c'est pour faire des tricks pop-out. C'est vraiment comme à la hauteur des genoux, vraiment le fun. C'est vraiment un sick spot dans le sick. Puis juste à côté, il y a un deux marches aussi. Que tu peux comme grinder la première marche. C'est vraiment deux cool spots, comme un à côté de l'autre, là, qui est définitivement un spot à voir dans l'antique. Je savais danser en ligne. Ce spot-là, je l'ai déjà skaté quand j'avais 16 ans, mais genre... Je sais même pas s'il y a du monde qui sont revenus loin que c'est sûrement. Mais ça a pas l'air de grinder tant que ça. Mais là, si je me rends pas au bout, là, avec tout ça, là... La wax, ça fond tellement il fait chaud. Ça grogne pas! Quelqu'un vient de mettre de la wax plus souvent. Là, on skate dans des jeux d'eau, mais là, il faut que je mette un timer. Dès que le jeu d'eau y arrête, j'ai exactement 45 secondes pour pas avoir le jet d'eau d'en face. Là, il y a un petit gars, je vais essayer d'éviter son petit bucket. Boum!
on est au Collège Hensick. Il y a plusieurs beaux spots. Il y a un petit rail à l'extérieur du Collège Hensick qui est vraiment le fun, qu'on va aller skater. Puis il y a des bancs qu'on peut skater aussi, mais moi, je veux plus faire une line puis gapper au bout, en fait. Là. Tu sais, qu'est-ce qui me fait peur, c'est de partir par en arrière. Mini, mini rail. Oh! Mon papa, il m'a pogné dans le rail avant que je parte. Yahoo! Ça faisait longtemps que je voulais le faire. En fait, c'est sur mon chemin pour aller au Taz, fait que je le vois vraiment souvent. Ça, je suis bien contente. Puis là, on va aller, il reste à peu près 30 minutes à la journée, fait que je vais aller essayer un spot relativement connu d'Hensick qui est sur Chabanel, en fait. C'est comme un street gap, là. Fait que on va aller voir ça, puis après ça, on va rapper ça au parc Hensick. Boom! Fait que là, on est à Chabanel, qui est un spot quand même connu. C'est juste comme un street gap. Ah, il y a des trucs ici qui ont été faits ici. Il y en a juste comme... Il y en a plein, mais il y en a un qui me pop en tête. C'est Mitch Barrett qui a fait Nose Man... T'sais, en fait, popper par-dessus le trou, Nose Manny, Nolly Hill. Insane. Mais là, il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. J'ai à peine 10 minutes pour le skater. Là. Ça fait quand même quoi, genre 8-9 heures là, qu'on skate. Fait que je commence à avoir mal dans les cannes. Je suis quand même stoked, j'ai jamais skaté. J'ai hâte de voir. What's next? Je suis pas prête d'arrêter de skater. Là. Moi, ça fait 18 ans cette année que je fais du skate, puis je vais continuer à faire du skate toute ma vie. Mais dans le fond, à court-moyen terme, dans le fond, il y a les Jeux olympiques. Donc, je m'entraîne pour ça depuis 2 ans. Là. C'était supposé d'être en juillet cette année. Ça a été reporté à l'année prochaine. Fait que c'est sûr qu'à court terme, c'est ça. C'est vraiment ça mon focus. Fait que dans le fond, Hensick, je dirais que c'est pas le quartier comme auquel les gens vont penser nécessairement quand on parle de faire du street skating et tout. Mais je pense que justement, le fait que c'est pas comme une place où est-ce que tous les trucs ont déjà été faits sur des spots vraiment connus, comme ça peut être vraiment le fun de juste se promener dans Hensick puis trouver des spots comme. Ce sera pas des spots connus, mais moi, juste en une journée, mettons, en allant me promener dans Hensick, j'ai trouvé une trentaine de spots. Fait qu'il y a vraiment quelque chose à faire là. Hensick, je pense que c'est underrated. Là. Bien, en plus, il va avoir un skatepark à 1,7 million dans un an. Dans le fond, il réaménage tout le skatepark. Fait qu'il n'y a pas de raison de ne pas venir skater dans Hensick. T'as Barcelone, puis là t'as Hensick. T'sais.